me more. Oh oui, mon gros, tu m'avais tellement manqué. On va un petit peu te chatouiller. Oh, fais gaffe. Je suis mort. J'ai dit de faire gaffe, mec. Hein. Ouais, mais je fais le kamikaze, moi aussi. C'est pour le bien de la nation. Pour le bien de la nation. Pour le bien de la nation. Bon, c'est je prends le bateau. Attends, je prends le côté conducteur. Je vais voir si j'arrive à le démarrer. C'est lequel, le côté conducteur? Aucune idée. Ok. Boost de vitesse, accélérer, freiner. Mais je fais que ça. Ah, faut peut-être pousser le bateau. Oh putain. Essaye de pousser le bateau. Genre, toi, essaye de le pousser. Si ça se trouve, il a attaché quelque chose. On l'aurait dit s'il était attaché. Ben, je sais pas, parce que j'appuie bien sur les bonnes touches. Hein. Par contre, ouais, hein. Bonjour, tiens, bonjour. Un petit clou. Quoi? Mais pourquoi je suis mort? Je comprends pas pourquoi le bateau il démarre pas là, ça me saoule. Moi non plus, je comprends pas, écoute. Il y a forcément quelque chose à faire. Enquêter. Ah, d'accord, fallait juste enquêter sur le bateau, mec. En fait, on s'en fout maintenant du bateau. Il manque le moteur, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on peut pas le démarrer. Ah bah forcément, s'il manque un moteur, ça peut pas démarrer. On est un peu bête. Un peu bête aussi, on n'avait pas vu qu'il y avait marqué enquêter aussi. Effectivement, moi je croyais qu'il fallait monter dedans. Toi okay. Là, zombie. Par terre. Oh, ils sont énervés. Calmez-vous, monsieur les zombies. Calmez-vous avec un coup de tranchoir dans le dos. C'est vrai que ça donne envie de se calmer. Tiens, par terre. J'aime tellement faire ces enchaînements où tu lui donnes un coup de couteau, puis tu lui donnes un gros coup de pied dans la tronche et il tombe. Bah ici, ils sont occupés de les bouffer, les machins, là. Dis donc. Ouais, c'est belle zombie, ouais. Non, reste par terre, toi. Et puis tiens, je t'écrase la tête. Très beau. Ah, il est quand par terre, lui? Aucune par terre, merci. En plus, il avait du fric dans son... cul. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais... je vais changer d'arme, moi. Qu'est-ce qui me reste comme arme? Voilà, ça. One shoot. Tu veux jouer au foot? Attends, je avec la tête d'un zombie. Peut-être on peut faire le tour, je sais pas. Là, on peut monter là. Moi j'ai réussi à passer. Moi t'as réussi à passer, mais tant mieux. Bah tant mieux, moi je suis perdu. Non, c'est juste qu'il y a des zombies qui me suivent. Entrer dans l'atelier. Ah. Point de sauvegarde. Oh. Ah, c'est bien. Ça pue pas par hasard, genre le point de sauvegarde juste avant l'atelier. On va encore avoir un petit boss. Et après on va passer au chapitre 3. Je rigole si c'est le cas. Tiens, t'es mort. Oh, le truc qui explose. Bah écoute, il me reste un clou. Et je l'ai raté. Bon bah pour le bien de la nation, Banzai. Quel connard. Quel abruti ce mec, je te jure. J'ai gagné tout de suite l'argent que j'ai perdu, donc je m'en fous. Bon, il est où l'atelier sinon? Ils sont jamais gentils, mais... Ah, tu peux sauter genre d'un truc super haut et les éclater de haut. Bah oui.
Hop, moi je descends ici. Ah bah il est ici l'atelier, non? Reste par terre, toi. Et tiens, je t'écrase la tête. Ça c'est bon. Ah mais mon arme elle vaut plus rien en fait. Ouais, ça doit être ça. J'aimerais bien savoir où est cet atelier, apparemment c'est pas là. On a une grosse zone bien sympathique. N'hésitez pas à boire du coca, hein, ça régénère la vie le coca. C'est connu comme truc. Voilà, toi t'es mort. Toi à mon avis, je t'ai pété une colonne vertébrale. Et la tête aussi. Ah merde, t'aurais chaud niveau 2 pour prendre ça. Sérieux? Bah oui, parce que j'ai une compétence pour déverrouiller les trucs. Il est où cet atelier? C'était quoi cette explosion encore? C'est moi. On doit vachement être débile, les gens sont occupés de se moquer de nous. Quoi? Putain, mais enfoiré. Ça y est, j'ai repéré le truc. Ça pouvait être que toi, j'en étais sûr. Je t'ai dit, c'est ma vengeance. Tu t'es déjà vengé plein de fois de la fois où je t'ai écrasé en voiture. Ah oui, bah attends, il fallait pas m'écraser en voiture, voilà, c'est ta faute. J'entends du bruit. Ah, c'est un zombie. Oh, j'espère qu'il y avait du monde pour voir ça sur le live, ils ont dû bien se marrer. C'est genre, et moi j'ai pris mon temps pour viser le truc, tu vois, genre j'ai pas. J'ai attendu et tout, j'ai tiré au bon moment quoi. Ils ont dû voir le truc, la scène de mon point de vue c'était épique. Recherchez votre objectif dans la zone de surbrillance. Ah, t'es gentil, j'y suis dans la zone de surbrillance, c'est la dernière nouvelle, hein. Enfin, même si j'ai un peu du mal à m'y rendre vu que Méa m'en a sorti, mais. Non, c'est pas moi. Putain, j'aurais été sûr qu'il était vivant celui-là. N'empêche, un atelier, ça doit pas être si dur à trouver, merde. Mais non, mais ça doit être en bas, en fait. Au pire, il y en a un là-bas, 68 mètres. Non, on va trouver. Ah, il est d'un côté, c'est le bon côté, qu'il nous fasse chercher, parce que si les quêtes sont courtes... Mais ça va vite nous saouler, quoi. Moi, perso, il y a un moment où je vais dire merde. Bah, dis merde. Ah, c'est là qu'on veut passer. Cherchez votre objectif dans la zone en surbrillance. Merci. C'est combien de fois que tu le dis, là? Bon, encore un tudu. Je crois que j'ai laissé ouvert mon programme de mail. Et à chaque fois que je reçois un mail, ça fait tudu. C'est pas magique. D'accord, je peux choper des trucs qu'il y a juste en dessous. Là. À moins que ce soit ça l'atelier. Mais il y a nulle part pour rentrer là-dedans. Oh, il y a une échelle. Ah bah voilà, t'as trouvé. Et des bruits de pas zombies dans l'eau aussi. C'est pas grave ça. Tu vas te faire bouffer, c'est tout. Un marteau. Si j'avais un marteau. Ah, chercher un moteur de bateau. C'est ça qu'on a cherché. Bon bah je rentre dedans. Bonjour monsieur le zombie. C'est où que t'as vu une échelle toi? Ah, vous êtes un assassin. Et bonjour monsieur. bonjour monsieur. Ah, elle est là, l'échelle. C'est quoi qui m'attaque, là? Oh, y a pas qu'un assassin! J'aime trop comment elle crie « Help !» J'arrive. Dès que j'ai trouvé l'arme, là... Ah, ouais, là. Mais voyons, on n'a pas besoin d'aide! Toi, je vais te couper ton bras! Je me souviens que les assassins, il suffit de leur couper le bras et après, ils sont plus trop embêtants. Bon, attends, tu sais quoi? J'ai une idée. Mais j'arrive pas à lui couper le bras. What? Voilà! C'est réglé! What? J'avais ma spéciale, c'est rien. Mais il fait archi mal! Mais oui, je fais super mal, ma spéciale elle fait méga mal, mon gars. C'est pour ça que je l'économise, pour ce genre de situation. J'ai trouvé le moteur.
Bonjour. Comme toi, j'attrape le truc, il y a la zombie à côté. Coucou. Je suppose qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir ici. Alors, c'est une femme. Je vous rappelle que c'est pas bien de battre sa femme. On peut battre celle des autres, par contre. Ça, c'est marrant. Non, je déconne. Après, ils vont le faire, tu sais. J'aimerais bien savoir bah, où on trouve, on sort, parce que c'est bien, on a un moteur, on est dans un atelier, et il y a un plan. Lâche-moi ça. Mode barbelé. Il est où le mode barbelé? Il est là, sur la table. J'aimerais bien savoir où est la porte. Bon, j'ai peut-être une idée pour la porte, ne bouge pas. Hein. Je vais en faire une. Mais bah tire-toi! Va-t'en avec ce truc! De toute façon, ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Mais là, il y a une grosse porte là, mais. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Ah, mais il y a une corde! Il y a un tabouret, non? On peut monter la corde? Peut-être monter la corde? Non. Non. Faut pas monter à la corde, c'est complètement con. Mais t'es pas une corde si on veut pas y monter. En même temps, comment tu veux monter une corde avec un moteur en main? Mais bon. J'avoue. J'aimerais bien savoir par où on doit passer. On est coincé. Je sais pas du tout à chercher. On est coincé. Là, y a un trou. Vas-y, y a pas un glitch? Faut appeler Spikey, y'a un glitch. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais, on appelle Spikey, on glitch. Bah attends, si on est rentré par là, on doit forcément pouvoir ressortir par là, c'est logique. Peut-être en sautant là-dessus. Moi je peux pas sauter, déjà. Ah ouais, donc toi tu peux pas sauter. Donc c'est forcément en bas leur système là. Ah, ah bah là. Quand t'as réussi à ouvrir la porte? Bah, il y avait juste un petit verrou à la con, fallait maintenir, c'est tout, t'es con, c'est tout. Je l'ai pas vu. Ah, c'est peut-être parce que j'ai le moteur en main. Ouais, voilà, mais c'est juste que t'es stupide, c'est pas ta faute, quoi. J'ai vu la porte, j'ai pas arrêté de dire, il y a une porte, là. T'es à moitié asiatique, à moitié blague, bon voilà, t'es stupide, c'est triste. Racisme! Je suis persécuté. T'es juste esclavage, c'est pas pareil. Bon, moi je me casse avec le moteur, hein, salut. Et capus. Moi j'améliore la chance de gagner de la vie en tapant. J'arrive pas à passer. Putain, mais lâche ce moteur, t'es bête toi aussi. C'est un peu le moment retard, hein, j'ai envie de dire. Hop, je récupère le moteur. Je sais pas où du tout il faut aller par contre, non. Bah, il faut retourner au bateau, je suppose, avec le moteur. Bah c'est bon, tu les as dégommés, je peux passer. Non, pas lui. J'ai rien à faire, les bites. De toute façon, le premier qui m'approche, il se ramasse un moteur dans la tronche. Bah ça tiens, en parlant de ça... Ça lui fait que 22 dégâts, t'es sérieux? C'est nul. Alors, le toi, moteur. Toi, tu prends un moteur dans la tronche, tu meurs. Hein. C'est clair. Ah lui là, c'est, il a plus aucun dégât. Vas-y encore. Voilà. Je vais découper la tête. Oh, je croyais que c'était réflexion, excuse-moi, j'ai oublié de te taper. Mais t'es sérieux, tu me confonds avec un zombie. Bah t'es aussi moche, hein. Eh, y a une carte. Ah bonjour monsieur. Ça veut dire que ça va être une future base, ça? Ils sont complètement dingues. Il y a des meilleures idées de base, quoi. Putain, ils sont trop! J'ai entendu? Il y a une explosion? What? C'est des pour les zombies! Mais merde! Mais tu peux pas me prévenir avant de tirer! J'ai cru que t'allais t'enfuir, hein. Non, en plus, je savais pas que si t'étais mort ou vivant quand j'ai tiré, en fait. J'ai entendu une explosion, j'ai pas cherché à comprendre. Ah bah, moi, je l'ai entendu, l'explosion, c'est toi qui l'as fait, ouais.
Ah, mais ça va marcher, hein. Ah non, on voyage pas vers le groupe, mec, hein. Et tiens! Aïe! Me tape! Ça aille! Faut aller par où en fait? Parce que la carte est super bien faite, encore une fois, hein. Magnifique. J'en sais rien. Bah, je suppose que c'est par là. En tout cas, niveau supérieur! En tout cas, le bateau ne peut pas écraser les zombies. J'ai que tous les zombies que t'as touché au moins une fois avec le bateau, ça m'a réveillé toute ma vie. Ou c'est le niveau supérieur, je sais pas. Bon, en tout cas, on a réussi à les éviter. Mais attends, je prendrai le temps de lire le... Une fois qu'on aura fini la quête, je prendrai le temps de lire le chat. Ah là, je crois que tu peux le lire, on est en bateau, tranquille. C'est une croisière. De toute façon, je gueule si y a un zombie qui monte. Si, c'est très propre chez moi. C'est juste que c'est le bordel sur mon lit, c'est tout. Aou ! M'a frappé, l'enculé. Bon ben... On va redescendre. Comment ça, descendre ? Je veux pas descendre, là. Eh ben, tu descends. Et il y a des copains derrière. Oui, j'ai vu. Je lui ai coupé le bras, d'ailleurs. Faudrait que je vise les bras, arrête de viser la tête, les bras c'est mieux, ils peuvent pas t'attaquer après. Voilà, lui il est mort, moi j'ai plus de vie, comme d'habitude. Moi j'ai tué le dernier. Ouais. Eh bah écoute, ça veut dire que dans ce Dead Island si on va pouvoir utiliser des bateaux, bah écoute c'est génial. Bon, une fois. Hey, toi par terre, t'as plus de bras, par terre. Oh, il pleut. Ah, ça c'est merdique. Bon, je te laisse attends, faire ce coup-ci, j'en ai marre de faire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je peux récupérer les clous, d'ailleurs. Et moi, j'ai jeté tous mes clous, j'ai oublié de les récupérer. Génial. Du coup, j'ai plus d'armes à distance, mais bon. Ah bah oui, bravo. Et il fait mal avec ses poings, quand même. Ouais, j'avoue. Toi par terre. Et puis je t'écrase la tête aussi. Oh, moi, ça fait. La vie... Ah bah il m'a tué je crois. Ah. Ah bah moi aussi. Attends, il passe aussi mal l'enculé. Mais il avait un couteau je crois. J'ai entendu le petit bruit du couteau avant de mourir. Baston. Tiens. Je vais t'apprendre, moi, tu nous as tués. Bah tiens. Ouais, voilà. Je suis pas du tout au bon endroit, moi, en fait. Niveau supérieur. Ah, je voudrais dire que la pluie est très belle. Ouais, bah la pluie, on va la voir longtemps, moi. Hein. Bah, j'ai hâte de voir la puissance de l'explosion de ce missile nucléaire. Ils nous le promettent depuis le début, mais... Ah, on a toujours pas vu, j'ai vu. Attends, j'ai le niveau supérieur, moi aussi. Moi, j'ai qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer? Est-ce qu'on a d'autres trucs qui choisissent? Diminuer les coûts d'endurance pour les attaques au corps à corps. Ça peut être pas mal, ça. On augmente la résistance de l'arme au corps à corps, ok. Réduit les dégâts du explosion. Ouais. Pénalité de mort, pénalité de mort, réduit les coûts de réparation. Ah, réduit les coûts de réparation, tiens. C'est pas mal, ça. Je reste après. M'écrase! tu sais qu'à chaque fois que tu m'écrases, c'est 20 explosions, hein. Dis ça comme ça. T'as bientôt fini ton quota d'explosion, donc n'en remets pas 20 sur ton cul, quoi. Ça serait con. Hop là. Bon. 34 mètres. Non, c'est pas par là, c'est là-bas. On va y arriver. Et merde. Enfin, me volant, me retournant, quoi. Cool, y'a un arbre. On a pris la voiture pour rien. Ah bah, si, pour une cinématique. The road is down. Mon dieu, la route est détruite. Nous l'avions pas vue. So close and yet so far. Pourquoi c'est une vraie ville?
Je sais pas, peut-être. Mais on a un bateau, allons-y. À mon avis, il faut pas aller par là. Hein. Faut rentrer, à mon avis. D'accord, bah c'est parti. Je te préviens, hein, c'est des explosions dans ta gueule, tu m'écrases. Là, en plus, j'ai pas fait exprès, j'ai reculé, j'ai pas regardé, donc... Ah, je sais, c'est bon, là, je te le dis. C'est pas grave, je retrouve bien un moment épique où Mia, il parlera, et puis, bam, et puis on entendra un gros enculé. C'est tellement épique. C'est bien un jeu, si c'est le plus cool qu'on peut se faire. Tiens, y'a un zombie qui vole. Bah, écoute, tu le voles, hein. Ah bah, c'est génial. Allez, dans l'eau, la voiture. Ah, ça, c'est super bien fait, dis donc. Bravo. Je vois rien, putain. Ah bah. Faut sauver Luc. Il est où, Luc? Que la force est avec toi, Luc, on va pas Luc, te sauver. Tiens. Mais non, on a dit qu'on le sauvait. Non, mais c'est Luc Skywalker, merde. On s'en fout, il a déjà sauvé la planète. Allez, par terre. Mais fais le coup par terre, ça lui fait beaucoup plus mal. Allez, par terre, toi aussi. Il y en a encore un debout. Mais retourne par terre. Bon, Luc. Il est où, Luc? Ah, il est là. Il est là, Luc. Ah, mais c'est une quête secondaire. On va la faire. Tiens, c'est pour toi. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Il a une sale gueule, Luc, hein. Ouais, c'était pas Skywalker, on s'est fait arnaquer. Par contre, il nous a donné 4000 d'XP et 1000 dollars. Ouais, plus le dollar qu'on trouve dans les fesses des zombies. Ah, non, là, ça valait le coup de faire la quête secondaire. Bon, du coup, on va prendre une nouvelle voiture. Mais d'abord, il faut tuer les contaminés. Sinon, ils vont nous emmerder. Bobo. Attends, je te le zombie. J'ai bien compris, mais je fais un demi-tour. Hop, comme ça, tu vois pas comment je conduis mal. Voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de le voir, je sais que tu conduis mal. Et on voit les fleurs à travers la voiture. Moi, c'est super bien fait. J'avoue que c'est super bien fait. Allez, les zombies, on est parti. Mais putain, mais on voit encore plus rien. C'est toi qui conduis mal, hein. C'est aberrant. Je suppose que le seul moyen de le rejoindre, c'est avec le bateau. J'en sais rien. Faut le tuer, je pense. Il y a encore un mec qui est coincé, là. Vas-y, on le tue. Ça rapporte plus d'XP. Je sors de la bagnole, fais gaffe à moi. Voilà. Il en reste un, non? Ouais, j'ai trouvé ton arme préférée. Sérieux? Il y en a encore un là en bas. Je le cherche. Allez, là, ah, mais là. C'est un assassin que j'ai dégommé avec la voiture. J'ai fait une attaque tombée. Ah, wow. Mais t'aurais pas plus de mots dans ton vocabulaire? Voilà, il est mort. Mais de rien, mon ami. Donne-moi ton argent maintenant. 628 dollars. C'est pas mal. Prenez ça, s'il vous plaît, je vous le donne. Mais merci. 628 dollars, tiens. Magnifique. Yes, niveau supérieur. 1200 dollars. J'ai l'impression qu'on va devoir prendre le bateau. Merde, je suis trompé de place. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'on va devoir prendre le bateau parce qu'il nous l'affiche sur la map. Vas-y, on va prendre le bateau. On va prendre un bateau, c'est une première session de toute façon, donc... Ouais, on va prendre le bateau. La prochaine, je la ferai peut-être pas en stream, mais je la ferai peut-être sur la chaîne directement. Je sais pas. Oh mais vas-y, mais pourquoi vous mettiez toujours des trucs comme ça, des barrages et tout, on est obligé de faire des...
Oh là là. Bon, à un niveau supérieur, du coup, je vais améliorer. Alors, ça, c'est quoi? La frappe critique vous permet de récupérer de la santé. Ça, c'est pas mal. Diminue le coût d'endurance pour les sauts. On pourra pas le faire en voiture. Il y a un barrage, il n'y a pas d'autre chemin. 60%. Obtenez une chance de récupérer un peu de santé au lieu de mourir. Putain, mais il est cheaté, ce perso, c'est n'importe quoi. Je vais prendre les frappes critiques, donne un peu de vie. Ah, c'est normal, le bateau est ici, en fait. D'accord. Et il y a un gros lard. Pourquoi on peut pas fouiller ça? Ah, il est déjà été fouillé, donc. J'aimerais bien quand même changer d'arme, reprendre ma batte de baseball. Comme ça on peut taper le gros! Allez par terre! Voilà, il... Feed me more.